justement, c'est maintenant pour l'épisode 20. Vraiment, nous sommes rendus à l'épisode 20. Vraiment, ça avançait tranquillement, très très vite. Et tout simplement pour vous dire que j'ai finalement trouvé, c'était où? C'est 13e ou 14e niveau, donc on était bloqué exactement à cet endroit. Je sais exactement maintenant c'est où. C'est tout simplement caché juste ici. On peut sortir pour rentrer à l'intérieur d'ici. Vraiment, c'est un endroit genre super bien caché, juste pour dire. Et juste avant de commencer le tout, on va s'entendre d'une chose tout simplement, c'est que il va y avoir la question du jour. La question du jour va être très simple. C'est votre niveau préféré vu qu'on va rentrer dans le dernier niveau. Les autres on les a tous vus. Et on va voir tout simplement c'est quoi votre niveau préféré tout simplement dans tout l'ensemble du jeu. C'est sûr certain qu'il va rester comme le niveau de boss final, mais vraiment comme niveau de 1 à 15, quel sera votre niveau préféré? Donc, ceci étant fait, on peut maintenant rentrer dans Colossal Selfie. Et c'est comme ça qu'on va se rendre exactement dans ce niveau. Hein. Donc. Vraiment, on est rendu à 20 épisodes sur Selfie. Moi, je pensais pas qu'on serait rendu. Attendez, est-ce qu'on peut. Oui, on peut monter par ici. Bon. Moi, j'ai envie de faire le fou et tout de suite monter par ici. Et ça avait l'air pas très très. Non! T'es sérieux? Je sais pas si c'était voulu, mais moi j'ai essayé des choses et ça n'a pas trop fonctionné. Bref, on va recommencer. On va pas passer par là cette fois-ci, on va aller par le chemin normal. En même temps, on va essayer de récolter un max de pièces. Et vraiment, il y a un truc qu'on peut voir que le niveau, il y a beaucoup de gens qui me disaient que le niveau était vraiment pas. C'est de plus en plus qu'on avançait dans le jeu, de plus en plus qu'on trouvait ça quand même assez simple. Le jeu dans l'ensemble, mais sérieusement, il y a vraiment des trucs qui restent quand même assez difficiles. Et pas super facile à essayer d'avoir dans le jeu, hein, vraiment. Prise en main, c'est littéralement d'autres choses. Ok, donc là il y a des circuits un petit peu partout, il y a du vide, et le vide, vous savez, je n'aime vraiment pas le vide. Mais vraiment, les circuits sont quand même reliés ensemble, donc c'est super cool là-dessus. Vraiment, l'idée d'avoir mis vraiment les morceaux tout simplement qui se relient ensemble un de l'autre. La musique me dit quelque chose, mais en même temps, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être me dire dans les commentaires aussi et dans les vidéos qui sont à suivre. Fort probablement beaucoup de gens qui ont fait le message ou passer le message. Tout simplement par rapport qu'il y avait une mise à jour mise à jour dans le monde des circuits tout ça. Et tout simplement une mise à jour de la Acrom. Et oui je le sais tout ça. Non mais c'est pas ça, je vais faire merde. Donc on va essayer autre chose alors. Ça c'est des barrettes de RAM hein. Ok, si je me trompe pas, hein. C'est peut-être de la merde, mais ça a l'air vraiment comme des batterettes de RAM. Des batterettes de RAM. Vous connaissez les batterettes de RAM? Moi je les connais pas trop. On va essayer. Peut-être comme ça, non, je vais faire un triple saut. Après, quand on est monté ici, on va essayer de retourner juste sur celle-ci. Et on va essayer de pas l'engagement du triple saut. La mort qui tue. Et voilà. On réussit des bonnes choses, on est capable de faire des bonnes choses. Ça a vraiment beaucoup trop de sens ce que je dis. Ok, donc ça c'est les ennemis de. Oh ok, au moins on peut les tuer. Ah, ça leur donne 6 pièces, nice. Bah, pas 6 pièces littéralement, mais vous comprenez un petit peu, attendez. Hop. C'est nice quand même pour ces ennemis qui vraiment c'est de Mario Sunshine. Je trouve ça cool. Petit clin d'œil et tout ça. Je sais pas pourquoi ils sont dans ce niveau là en tant que tel, mais bon, c'est l'électricité, tout ça, l'électricité statique, et voilà. Des fois, y a rien à comprendre, des fois dans les jeux vidéo, de toute façon, je pense que vous êtes rendu 6 habitués. On va essayer d'y aller avec un triple saut, je crois. Hop, voilà. Oh! Ok, ça fait monter en haut, mais est-ce que je peux prendre des pièces en bas? Je pense qu'on peut pas, ou sinon, bah, je sais pas trop comment. Oh merde! J'étais chanceux. Il y a des pièces en bas, mais comment je fais pour y aller? Comment je fais pour les prendre? Si on va sur le côté, peut-être? Ok, il s'active. Ah merde, j'ai genre un certain temps pour le premier round ou un truc comme ça. Attends, on va essayer de descendre. Je vais essayer de faire ça vite. Ok, donc là il s'active. Il va arrêter tout d'un coup. Nice, faut y aller. Récolte. Ah, il m'en manque. De le faire au max pour essayer de tous les récolter. Parce que j'ai envie de faire le toit tout simplement des 100 pièces tout de suite. Non, non, c'est pas tout de suite, je vais monter. Mais
ça va redescendre à un moment donné. Il m'en manque une, bon, on va laisser tomber la dernière. De toute façon, je pense qu'on va être pas si mal pour essayer de continuer le tout. Ah, ça passe. Ok. Vas-y, lance ton truc. Hop. Non, 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 non. Fouh. Je pensais que la pièce allait tomber. Finalement, j'étais pas si mal. Ok, il y a un bouton ici. Ça m'étrique vraiment si on peut appuyer dessus. Ou c'est juste un troll. Bon, j'ai pas envie de non plus essayer le truc de plus. Ça, normalement, on peut se rendre en faisant les triples sauts. Ça a l'air d'être possible. Et voilà. Ça, c'est une chips. Oui, c'est une chips. Oh merde. Ok, ça, je me casse d'ici. Salut. On va savoir qu'il y a une étoile ici au moins. Donc, ça, c'est une bonne chose à savoir. Oh là, oh là, oh là 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 là. Oh, l'attrapé qui sauve la vie. Ça, c'est l'attrapé de Dieu. Alors, je vous dis, je me prends en ce moment. Tout est calculé. Tout est calculé de se frapper la tête sur le mur. C'était voulu, hein, c'était voulu. Hop, par-dessus. Et on va monter finalement ici. Pendant qu'on monte une petite safe state. De toute façon, c'est tout simplement pour sauver au cas. À date, je les utilise pas. Hein. C'est juste au cas. Vraiment, je pose la question. De toute façon, j'ai pas vu, je pense, les réponses. J'en ai vu quelques-unes, il me semble. Je vais peut-être me tromper. Mais tout simplement, les safe states, c'était tout simplement surtout pour. Ah non! Pour ce genre de truc, tu sais, le genre de fear, le. Non, merde, que je fais. Et là, il y a l'ombrage. Voilà, merci, focus, merci. Il y a l'ombrage, je raconte. Tout simplement, le focus qui était perdu, comme dirait bien certaines personnes dans ce monde. Ouais, là, normalement, ici, on peut se rendre jusqu'à là-bas. L'espèce de profondeur, on le voit pas trop dans ce niveau, comparé à d'autres. C'est pas non plus hyper dérangeant, mais. Parfois, c'est un peu. C'est un peu chaud d'essayer de faire des trucs. Comme là, je sais pas ce que j'ai essayé de faire, mais ça fonctionne quand même. Et on va voir finalement l'étoile et 100 pièces. Nice! Bon, ça va être fait ça? Une chose, hein? On dit pas fait, on dit fait, hein? Mais bon, c'est la même chose à mes yeux. Hein. Essayez pas de comprendre parfois. Ok, donc on monte jusqu'ici. Ah ouais, là, ça va être corsé. Ok, non, finalement, pas tant que ça. Je m'attendais à plus, mais. Finalement, c'était pas si mal. Hop. Ouais, là, ça passe normalement un jump comme ça. Ouais. Là, ils me disent de monter par ici. Ce qu'on peut faire. Wall jump sur le truc. Il y avait pas de truc. Pourquoi il y avait pas de truc? J'étais sûr que c'était qu'il y avait le mur, mais il y avait rien. What the fuck? Pas trop ce qui est arrivé, mais on va dire que c'était normal. Ah oui, je pense qu'il y a un mur. Il y a pas un mur, mais je pense qu'il y a rien finalement. Plus qu'un mur. Le niveau vraiment, il est bien fait, vraiment. Moi, je trouve ça cool. L'idée à travers tout ça, vraiment. What? Mais... Ah oui, il y a vraiment un trou. Il y a littéralement un petit trou. En mode lolololol. Il y avait un petit trou. Là, c'est exactement ce qui se passe. Dans ma tête, j'ai juste pas envie de mourir encore une fois. Voilà. Non, 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 Mario, calme-toi, tout va bien se passer. Bon, c'est juste le fil qui est branché ici. Hop. Oh merde, je ne sais pas ce que je suis en train de faire, mais on va dire que c'est cool. On est vraiment en train de monter complètement de ce PC. Y arriver. Là, il semble avoir une étoile. Je suis peut-être fou. Mais il semble bien avoir une étoile. Hop, hop. Oui, voilà. Oh non, 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 non. Ok, parfait. Oui. Ah ouais. Ah ouais, c'est quand même. Il y a des trucs qui pardonnent pas. Genre, comme ici, c'est pas non plus hyper compliqué, c'est juste ça pardonne pas. Voilà. Wow. Vraiment, ce niveau, il est classe et il est dur. On a monté en haut des câbles. On est rendu beaucoup trop fort. Psst, il y avait des safe states, mais on se parle. Donc, on va dire que tout est bien, qu'il finit bien. Donc là, ils disent de... Ah oui, c'était là-bas. Donc, faut appuyer... Faut vraiment appuyer sur le bouton.
Ça semble vraiment être le cas qu'il faut vraiment appuyer sur le bouton, mais... Mais comme je dis, ça semble être chaud. Il faut descendre le cooler, donc en gros, il faut fermer le ventilateur tout simplement du PC, mais ça va être chaud, hein, vous comprenez la blague, on parle, ferme le ventilateur, ça va être chaud, tout ça, bon, bref. Maintenant on fait des mauvaises blagues ce soir comme d'habitude. Ouais, c'est exactement ça. Oh, c'est pas ce que je vais faire. Mais... donc là on va se rendre jusqu'ici. Triple saut ma gueule. Vas-y ventilateur, merci. On va aller appuyer sur ce petit bouton. Je sais pas trop comment on va réussir le tout, mais on va dire qu'on va réussir. On va voir comment on fonctionne. On va essayer d'y aller avec un wall jump. Je crois pas que finalement ce soit le wall jump qui arrange le tout. Attendez, on va essayer. Peut-être si je fais ça. Ah ah! C'est le fameux truc du saut en longueur, mais je passe tout de suite un. J'ai pas envie de... Oh, t'es sérieux? One shot, deux shots. Ok, on va y rester de la part. Non, mais... Attends, est-ce qu'il y avait un truc en dessous? Ok, je pensais qu'il y avait un truc, mais non. Donc, en gros, faut vraiment juste comme bien réussir le one shot ou two shot. Ça n'a aucun sens ce que je dis, mais vous avez compris ce que... S'il te plaît. Ce que je dois faire. Bon, c'est tout simplement ça. C'est vraiment de faire un long jump pour après réussir le saut mural. Ce qui est assez chaud quand on maîtrise pas trop Mario. Donc il y a vraiment des techniques dans le jeu qu'il faut vraiment maîtriser Mario. Il faut vraiment savoir comme quoi faire et quoi faire au bon moment. On va essayer de réussir. C'est sûr qu'un saut normal aurait fonctionné aussi, mais il faut quand même réussir à maîtriser le wall jump pour disparaître le bouton assez rapidement. Clean pipeline. Qu'est-ce que je dois faire? Ah ah. Les tuyaux sont bouchés. Désolé, encore une fois. Toujours quand je fais des vidéos, je braille tout le temps. Avant de faire des vidéos, je fais des siestes, je fais n'importe quoi. Mais je suis fatigué, quand même. C'est vraiment un truc de fou. Rien à comprendre par contre, je pense. Ok, ça c'est le databus. C'est vraiment un truc en plus de vraiment PC, je trouve ça vraiment rigolo tout ça. Parce que le databus, c'est vraiment un vrai truc. C'est tout des vrais trucs de PC de toute façon. Hop, je me suis rendu. Qu'est-ce qui s'y cache ici? Ah oui, il y a vraiment une pièce rouge qui va te cacher ici. De toute façon, on va peut-être en avoir une autre. Oui, il y en a plusieurs. Regardez ça en note. Mais ceci, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, on va juste éliminer en premier. On va passer à d'autres choses pour l'instant. Pas donner le petit point, ça n'arrange rien. Peut-être tourner ici là-dedans. J'aurais attendu à genre peut-être de tourner comme un hamster, mais non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici pour débloquer? Oui, débloquer le trou. Débloquer, nouveau mot à utiliser chez le discard. Ah ouais, on fait tourner les pâtés. Je sais pas si ça l'avance à quelque chose ou non, ça fait juste nous permettre de nous amuser avec ce truc. J'aurais dit que ça fait tourner le ventilateur, mais je pense que ça fait strictement rien. Ça fait juste nous amuser clairement avec ce truc. Est-ce qu'on peut monter sur ce fil? Ou faut pas. Oh, attendez, il y a des ampoules sur le côté, juste devant. Ah ok, ça fait lever la pièce rouge. Ah ouais. C'est même pas si mal ça. Ouais, ça je sais vraiment pas ce que je peux faire ici. Attendez, je vais peut-être essayer de faire le fameux triple saut d'une certaine façon. Ça va être chaud, mais ça peut être faisable. Attendez. Ouais, c'est sûr que si Mario tu... Oh, c'est obligé. Ouais. Ah ouais, il y avait un trou entre les espaces. Et là, je savais pas si j'avais fait une CFC il y a pas trop longtemps, donc j'ai juste pas envie de recommencer malheureusement. J'en ai aucune idée comment laver le truc. Ah, peut-être qu'on peut monter, mais je suis con. Littéralement, je suis vraiment con.
Ouais, on peut monter, je viens juste de voir avec les tuyaux et tout ça, il y a sûrement une façon de monter. J'avais l'impression de bégayer, de pas savoir ce que je suis en train de dire, mais c'était probablement ça aussi, de toute façon. Mais bon, on va garder ça en note. On est capable de monter en haut des tuyaux, j'ai vraiment pas porté attention là-dessus. Donc là, il y a 1, 2, 3 pièces rouges ici. Ça, c'est quand même une bonne chose à savoir. Non, il y en a 4. On va essayer de monter. Ça va être notre objectif de la soirée. Vraiment, je pense que c'est ça qu'il faut faire. En plus, il y a une vie qui est cachée. Ouais. Je sais pas si c'est exactement ça ce qu'il faut faire, mais si c'est le cas, c'est quand même chaud. C'est quand même beaucoup chaud. C'est comme un peu beaucoup chaud. Qu'est-ce que c'est ici? Non, non, non. C'est pas sérieux qu'il y a un ressort. Pire invention de jeu vidéo que vous auriez pu me mettre dans la pleine gueule, c'est ça. Putain, il ressort. Que je fasse quoi avec? C'est incontrôlable. C'est pas contrôlable. Et je ne sais pas ce que je dois faire avec les ressources. Oh là 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 là. Ok. Bon, je sais pas s'il fallait que je perde le power-up ou non, mais. C'est-à-dire que sûrement pas qu'il fallait que je le perde. On peut monter. On peut monter d'une certaine façon, sans le ressort, on y croit. On y croit toujours. Sans le ressort, ma gueule. Sans le ressort, ma gueule. Pierre qui? Ah oui, je peux monter ici. C'est peut-être en faisant ici, attendez. Hop, hop. C'est peut-être un triple saut qu'il faut que je fasse encore. Ou peut-être deux. Attendez. Ah, j'ai essayé de faire un truc. Non, je peux pas. Je peux vraiment pas faire deux trucs. Ok, on va essayer de revenir à notre safe state. Merde, on était vraiment un peu trop loin. On va remonter. C'est pas si grave de toute façon. On va prendre la petite vie. Pas nécessaire de toute façon. Ok. Je suis un castador. Je peux faire ce que je veux dans la vie. Surtout quand que je n'ai pas le permis. Est-ce qu'il y a un tuyau qui est débouché? Ou est-ce qu'il faut déboucher un tuyau? Ou faut juste aller chercher ce truc? Ça c'est vraiment. Non, 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 non! Pourquoi tu te dépêches, Mad Bob? Pourquoi tu te dépêches quand t'as le temps de tout faire dans la vie? C'est une question existentielle de la vie. Hein. Ok, on est là. Hop. Hop. On descend en bas jusqu'ici. Et là, faut aller avec le ressort. Le ressort, vraiment, c'est pour Bob qui m'énerve le plus. Jeu vidéo. Non. Mais... Voilà. Ok. C'est juste parce que je peux faire des wall jumps. Ah oui, je peux faire des plus gros wall jumps. Ok. Je peux pas les faire de reculons. C'est quand même assez triste là-dessus. Le ressort se contrôle tellement. Hop-pe-pe. Je comprends tellement pas comment on fait pour monter peut-être en haut. Ah, peut-être par ici. Et attendez, c'est peut-être par ici. Et je comprends tellement pas ce que... Attends, si je fais ça, et après je fais... Aha! Aha! Comment je fais pour monter en haut?
terre. On va essayer de trouver peut-être une façon. Si je fais ça, ça. C'est tellement chaud. Oh, j'en peux plus comment que c'est chaud. On va essayer d'enchaîner le tout. Attendez, il y a tellement d'enchaînement. On va essayer de se mettre droit. Ok, on est droit. Mission succeed. C'est parti. Ça se rend pas, mesdames et messieurs. Je ne sais pas ce que je dois faire. Ok, on va essayer peut-être de comprendre ce qu'on doit faire. C'est impossible que ça se rende jusque là-bas. Vraiment pas jusqu'à là-bas. On manque genre des trucs. Je comprends pas comment c'est possible de se rendre là. Ouais, je comprends vraiment pas. Oh, attendez. Oh non, non, dites-moi pas. Dites-moi pas. Non, s'il vous plaît, dites-moi pas que je dois quand même. Faire ça. Attendez. Hop. Moins que j'y aille. Safe state. Pas. Je comprends vraiment pas comment tu peux faire ce niveau, s'il vous plaît. J'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de laisser tomber parce que je vous dis. J'ai plus envie d'entendre ce ressort de ma vie. Non, non, j'étais bien parti, je suis prêt. Je suis sûr qu'en plus, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut faire. Ok, là, je suis en bonne position encore plus que tantôt. Ok, c'est quoi ce rebond de merde? Non! Non, 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 non. Ok, là, j'ai une bonne, peut-être une bonne technique. J'ai peut-être la fameuse technique. Oui, 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 oui. Save state m'ont tellement pas aidé dans ce jeu. Je ne sais pas ce que j'ai. Non, sérieusement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour se rendre ici? Aucune autre façon de réussir ce truc. Il n'y a aucune autre façon. Je comprends pas. Si c'est pas ça le niveau, j'ai l'impression d'avoir cheaté le jeu. C'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est littéralement même pas ça. Wow, 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 wow. Il se passe des trucs dans ma tête que vraiment j'ai pas envie de comprendre ce que j'ai fait. Cheat le game ou je suis trop fort pour le jeu. C'est un des deux, mais vraiment. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je comprends littéralement pas ce qui s'est passé. Normalement, comment tu fais l'étoile? Je comprends pas sinon comment tu fais. Comment tu fais? Comment tu fais pour faire des bébés? Expliquez-moi s'il vous plaît. J'ai envie de comprendre. Comment qu'on fait des bébés? J'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre comment on fait des bébés. Je sais pas pourquoi que j'explique. Je suis en train de chanter comment on fait des bébés, mais bon. Non, sérieusement, la dernière étoile. Vraiment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'explique un petit peu le fonctionnement du game parce que. En ce moment, je suis vraiment en mode je suis gros paumé et j'ai aucune idée comment ça s'est passé. Donc là, il faut que je trouve une façon sûrement de déboucher les conduits. Tuyaux. En tombant. Ok, on a réussi à remonter au moins ici. Non, non, s'il te plaît, Mario. Mario, je l'ai fait la dernière fois sans aucun problème, et là, t'as la difficulté tout d'un coup à vouloir bon, voilà. Ok, donc je suis prêt à dire qu'il faut que j'embarque dans les tuyaux. Il faudrait que je sois dessus. Yeah.
pas trop comme ça qu'on fait finalement. C'est un peu la tristesse, hein. Vous voulez que je fasse quoi? La vie, la mort, tout ça, vous voulez que je fasse quoi? Et pour ce niveau, il y a vraiment rien. Mais rien d'idée, hein. Je vous dis, t'es laissé à toi-même, mais faut 1 million. Hein. Ah! Ha! Ha ha! I find solutions. The solution is there. Ah, mais what the... Je vais littéralement nettoyer le conduit. Oh, mais s'il te plaît. S'il te plaît, ce jeu fait tout pour que tu veux mourir. Tu veux littéralement mourir ta vie. Alors ça, je peux pas le faire comme ça, faut que je fasse un wall jump. Comme ça. Voilà. Et... Mario! Ah, là vous allez dire que je vais tellement pour abuser des save states, mais en même temps... C'est pas de ma faute si le jeu ne fonctionne pas. Voilà. On finit cette étoile, on va pouvoir passer à d'autres choses. Ce niveau m'a donné du fil à retordre, mais genre fois 1 million. Hein. Moi qui pensais que ça allait être beaucoup plus simple, mais finalement ça n'est vraiment pas le cas. On va compter les étoiles, on va finir cette vidéo tout de suite après. Donc en gros, on a tout fait. Oui, donc 12, il nous reste 4 étoiles. Donc ça nous fait 112. 1, 2, ça fait 114. Plus 7, ça fait 121. Plus 1, 2, 3. J'ai perdu le compte. Bon, 3 plus 7, ça fait 10. Plus 2, 12. Plus 13, 14, 15, 16. 16. 16 plus 8, ça fait combien? Ça fait 124. Et il manque 6 étoiles, donc 25 étoiles cachées qui me restent. Voilà. Donc, merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo de Super Mario Last Impact. Désolé vraiment pour... le temps de ce niveau avec le ressort. Sérieusement, si vous avez une autre façon, faites juste me dire vraiment dans les commentaires, parce que je vous dis, j'en ai aucune idée. J'ai essayé avec le wall jump, j'ai essayé avec ça ou une autre stratégie, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai l'impression que c'est le néant, j'ai l'impression que c'était vraiment la façon qu'il fallait faire, mais si c'est le cas, c'est chaud quand même. Bref, merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. On se voit pour la prochaine. Salut tout le monde et à la prochaine vidéo de Super Mario 64 Last Impact.